Coucou mes chers signes de balance, bienvenue sur votre tirage. Bienvenue sur votre tirage pour l'année 2025. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. J'avais vraiment besoin d'un thé. Je vais bien, merci. Donc, nous allons voir ensemble votre tirage pour cette année, ce qui est prévu pour vous. J'ai mis à votre disposition votre tirage sentimental disponible uniquement sur ALD 1111 TV. Si cela vous intéresse, un lien dans la boîte de description vous dirigerait rapidement vers votre lecture. OK? Ce tirage est pour les balances, signes solaires, signes ascendantes et signes lunaires. Merci de votre présence ici. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Merci à tous de liker, de laisser un commentaire. Merci de votre présence ici. Je vous invite aussi à découvrir ma boutique en ligne, là où je propose plein de bougies magiques faites avec des intentions magiques pour mieux démarrer l'année, découvrir. Les bougies. Je propose pas mal de bougies qui sont assez intenses en énergie. OK? Donc, les balances, qu'est-ce qui est prévu pour vous? C'est quoi votre année 2025? On va sélectionner quelques cartes pour voir votre année 2025. Et ici, waouh, regarde qu'est-ce qui est en bas. Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle. Donc, le cavalier de Pentacle ici annonce une année riche au niveau ressources monétaires, financières, matérielles et riche en opportunités. Parce que ce cavalier indique des grandes opportunités qui arrivent vers vous, qui vous est donné. On vous donne des choses. On vous offre des choses. OK? Mais votre cavalier de Pentacle me dit aussi que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez l'air d'être sur la voie qu'il faut. Vous vous dirigez exactement vers l'endroit où vous devez être. Vous êtes sur la voie qu'il faut. OK? Et regarde les couleurs. Votre chakra plexus solaire est très active. Ce qui est active aussi. Votre confiance en soi. Et ce cavalier a plein d'amour autour de lui, comme s'il se protégeait, comme s'il se préparait pour faire quelque chose, pour façonner quelque chose ou pour se battre pour quelque chose. Mais je vois qu'en 2025, vous avez l'air d'être hyper déterminé, beaucoup de détermination, beaucoup. De productivité, d'efficacité. Je vous vois être hyper efficace. Je ne sais pas qu'est-ce que vous envisagez de faire, les balances, mais très efficace. Vous avancez lentement, mais sûrement. OK? Vous avez de quoi prouver. Vous avez quelque chose ici à prouver ou quelque chose à montrer. Il y a des résultats ici, des vrais résultats ici. Je perçois aussi des postes de responsabilité pour vous. On vous donne des postes assez importants en 2025. Et le cavalier de Pentacle aussi peut être une personne qui prend le temps de lire quelque chose qui est à la fois très prudent, à la fois très focus et à la fois très déterminé. Donc, détermination ici à aller au bout de tous vos projets. Mais comme on parle encore une fois de Pentacle, ici, je vois que l'année 2025 vient avec des bons résultats. OK? Des très, très, très bons résultats. Donc, vous avez l'air en tout cas d'être sur la bonne voie. Et vous avez l'air ici de bien vous informer, de bien vous renseigner avant de faire quoi que ce soit. Beaucoup de prudence. Très prudent. OK? Très, très prudent et très sûr de vous. Très sûr de ce que vous avez à donner ou à montrer au monde. On va voir aussi. Cette cavalier me donne l'impression que vous allez aussi avoir affaire avec un signe de taureau, capricorne ou vierge. Les signes de terre seront
des... Je pense que je vais formuler ça différemment. Vous travaillerez mieux avec des signes de terre. Vos relations avec tout signe de terre seront à votre plus grand avantage. Si vous connaissez quelqu'un qui est de signe de terre et que c'est un collaborateur, c'est votre équipe, c'est l'une de vos collègues de travail, ou si vous êtes en relation avec une personne qui est de signe de taureau, capricorne ou vierge, ces personnes vous seront utiles en 2025. OK? Il y a une énergie très stable. La Terre est très stable. Quand on a la Terre ici, on construit des choses. Voyez? On construit des choses, on crée des choses, on plante des choses, on sème des graines. Et j'ai l'impression que 2025 représente une année où vous allez préparer votre fondation, mettre en place les nécessaires pour que tout puisse se maintenir et tout puisse prendre vraiment leur place. Donc, balance, 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 balance. Que se passe-t-il ici? Le cavalier de Pentacle aussi représente un messager. Donc, il y a des messages ici avec des offres d'opportunités qui viennent. Regarde, vous avez déjà la réponse. Donc, la réponse vient vers vous facilement en 2025. Vous cherchez ici des réponses. Regarde, signe de balance et qu'est-ce qu'on a comme carte? Vous avez déjà la réponse. Donc, beaucoup de questions, beaucoup de solutions. D'accord? Beaucoup d'opportunités ici qui offrent les solutions ou qui offrent des possibilités importantes. Donc, votre carte d'oracle vous dit... Vous avez déjà la réponse. Et regardez une porte qui s'ouvre, comme si vous êtes arrivé à la destination. Cette carte me donne l'impression que vous êtes arrivé exactement là où vous devez être. On dirait que vous êtes censé être quelque part et que vous suivez actuellement vos intuitions, vos instincts et que vous vous trouvez exactement là où vous devez être. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne savez pas, ou quelque chose qui vous échappe, ou quelque chose que vous ne comprenez pas, en 2025, vous aurez les réponses ou les informations concernant tout ça. Cette carte évoque encore une porte qui s'ouvre. Rien n'est fermé. Donc, pour votre carte d'oracle, roue de fortune. La roue de fortune ici parle de changement positif. Ça parle aussi d'un nouveau cycle ou d'un nouvel cycle de vie. Ça parle de changement positif. Ça parle du fait de sauter des étapes importantes et de se trouver dans des grandes étapes de la vie. La chance a l'air ici d'être à votre faveur. Vous avez l'air d'être hyper chanceux ou chanceuse en 2025. Et la rue de la fortune aussi peut évoquer le fait de se trouver dans des situations par pure coïncidence, mais ces coïncidences ici ont été écrites dans le ciel pour que ce moment existe et pour que vous puissiez aussi trouver exactement ce que vous cherchez. Vous cherchez quelque chose, vous démarrez l'année 2025 en cherchant quelque chose et on dirait que vous trouvez l'objet de votre désir en 2025. OK? Donc, bien sûr, quand on a la roue de la fortune, tout ce que vous avez planifié ou programmé, il peut y avoir des changements à la dernière minute. La roue de fortune, pardon, évoque aussi des changements de dernière minute. Le fait que vous pouvez aussi vivre de très grands imprévus. Certaines choses peuvent être incertaines ou à la dernière minute. L'univers peut vous amener ici à contourner un problème ou à faire largement demi-tour alors que vous avez déjà progressé. Donc, en quelque sorte, ce que j'entends ici, c'est que suis la voie, suis ta route, OK? Et si la route que tu suis actuellement est bouchée, une autre voie, une autre route va s'offrir à toi et c'est peut-être l'opportunité pas prévue que tu attends. Et cette opportunité peut changer ta vie pour de bon. Donc, la roue de fortune ici évoque changement
positive, ça évoque une nouvelle direction, ça évoque aussi une nouvelle chapitre aussi de votre vie ou le fait de terminer un cycle important de votre vie et d'en créer d'autres énergies. OK? Donc, les choses changent en 2025 et la roue de fortune ici évoque l'une des meilleures cartes aussi dans le tarot parce que ça évoque le fait d'être une personne qui porte une amulette de bonheur, de chance, de prospérité. Et l'une de ces amulettes ici, c'est que à chaque fois que tu penses être perdu, quelque chose est déjà prévu pour toi, sauf que tu ne le sais pas. Mais pour l'instant, suis l'énergie et suis le flow ou suis la direction. L'univers ici a déjà mis en place des plans pour toi et tu vas découvrir tous ces plans-là. Tu as le 8 de Pentacle, donc c'est une année très importante côté professionnel. Okay? Côté professionnel, une année extrêmement importante. Parce que dans le côté professionnel, le 8 de Pentacle représente une personne qui change de métier, une personne qui a l'air d'être très dévouée dans ses études, dans son travail, quelqu'un qui se donne à fond dans tout ce qu'il fait professionnellement. Donc, je vois ici des grands progrès. Je vois ici beaucoup de choses sont faites avec temps, qualité et beaucoup de choses sont faites aussi avec dévouement et avec amour. Donc, des grandes perspectives au niveau carrière, des grandes évolutions au niveau de vos études et de grandes opportunités ici pour maintenir un réel équilibre financière, matérielle. Le 8 de Pentacle aussi peut représenter une collaboration professionnelle ou ça peut aussi représenter le fait de façonner au mieux votre carrière, d'avoir ici peut-être cette promotion dont vous attendez d'avoir, d'avoir peut-être cet appel que vous attendez depuis l'année dernière, d'avoir peut-être cette somme d'argent pour enfin lancer vos projet personnel ou d'avoir cette croissance au niveau de vos affaires, au niveau de votre business et d'avoir des outils importants à votre disposition pour préparer l'ensemble de votre projet, de votre carrière. Donc quand je vois le 8 de Pentacle, je vois vraiment le fait de trouver votre voie, d'accord? De trouver votre voie, de ne plus se sentir perdu, de trouver la chose ou les choses que vous aimez faire et de le faire à fond, tu vois, d'être à fond là-dedans. C'est comme si la réponse à votre question se trouve dans cette nouvelle voie professionnelle ou la réponse à votre question se trouve dans des rencontres hasardeuses ou des rencontres ou des choses qui arrivent par coïncidence. Et on dirait que votre carrière ou vos études ou les choses que vous avez envie de faire ici, vous allez prendre le temps de tous le planifier et de tous le programmer. La justice est là et la justice incarne votre signe du zodiaque. La justice ici évoque aussi des procédures juridiques, la partie administrative, le fait ici que une loi ou plusieurs lois passent en 2025 et cela, c'est quelque chose que vous allez en bénéficier. La justice aussi peut aussi représenter le fait d'être accompagné au niveau de votre carrière ou même d'avoir fait des procédures au niveau professionnel et d'avoir une issue favorable. Donc si par exemple vous êtes en pleine guerre avec votre patron ou une personne ou avec une société ici, l'issue vous sera favorable. Quelque chose vous est favorisé en 2025. Et je vois aussi une situation karmique pour vous en 2025. Il y a quelque chose de karmique que je perçois en 2025. Donc, la justice peut être aussi un bon karma, comme ça peut être aussi un mauvais karma. Mais il y a quelque chose dans la partie karmique que je vous vois résoudre ou que je vous vois ici affronter en 2025. OK? La justice, en tout cas, parle du fait de faire face à un karma. Et cette karma ici peut aussi être la situation qui a besoin d'arriver avant que vous puissiez comprendre ou avoir ou obtenir des réponses à vos questions. OK?
Mais je vois le côté administratif, je vous vois ici vous préparer pour des examens, je vous vois ici obtenir de très bons résultats, je vous vois ici être à la hauteur de quelque chose. J'ai comme le sentiment que ça y est, vous êtes prêt ou prête à entrer dans, intégrer le monde professionnel. La justice, en tout cas, me donne l'impression que chaque décision que vous prenez ici vous mène vers des issues favorables et vers des situations qui vous éclairent. La reine de Pentacle s'est tournée quand j'étais en train de préparer les cartes. La reine de Pentacle ici parle de sécurité. Ça parle du fait de prendre soin de votre santé, de prendre soin de vous, d'être présent pour vous-même et de ne pas tant se préoccuper des autres. Peut-être même que beaucoup d'entre vous seront au service des autres en 2025. Mais la reine de Pentacle parle d'une situation sécurisante. Ça parle aussi d'une femme, taureau, capricorne ou vierge. Quelqu'un avec qui vous avez une difficulté ou vous avez eu des difficultés avec l'année précédente ou l'année auparavant. Ça parle aussi du fait de travailler sur l'énergie maternelle. Le fait ici de résoudre quelques problèmes familiaux ou le fait ici de parler clairement de certaines choses qui vous dérangent concernant vos objectifs de vie, le fait aussi de régler un problème qui vient aussi de certaines relations karmiques de votre famille. Mais la reine de Pentacle, en tout cas, me donne l'impression que en année 2025, vous allez identifier d'où viennent certains problèmes et trouver les solutions adéquates pour pouvoir corriger ces énergies-là et activer la vie que vous avez envie d'avoir. Donc, qu'est-ce que cette roue de fortune? On va clarifier chacune de ces cartes. Qu'est-ce que la roue de la fortune ici annonce pour vous ici? La roue de la fortune annonce, la roue de fortune, j'ai dit roue de la fortune, mais roue de fortune annonce le jugement. Donc, ça annonce ici le fait d'avoir perdu votre route pendant un certain temps et de retrouver votre route. Vous vous êtes égaré et en 2025, vous trouvez votre chemin, votre route. D'accord? Et non seulement vous trouvez votre route ici, peut-être que vous avez pris une décision l'année dernière trop précipitée, sans avoir pris le temps de réfléchir sur les conséquences de ces décisions et vous allez avoir l'opportunité de changer certaines choses autour de cette décision ou autour de cette situation. OK? Quelle est la réponse que vous allez recevoir en 2025? La réponse que vous allez recevoir en 2025 ici, c'est le pendu. Ouh. La réponse ici, pour moi, parle du fait de comprendre quelque chose, de ne plus refuser l'expérience de quelque chose, mais de comprendre quelque chose et de savoir ou de découvrir de quelle manière vous vous êtes sacrifié ou de quelle manière une situation a influencé ou a dissimulé vos propres jugements. C'est comme si quelque chose a été caché ou dissimulé et que vous allez voir le vrai visage ou les vraies informations concernant cette situation. Le 8 de Pentacle ici parle de l'hérophant. Donc, beaucoup d'entre vous retournent à l'école. Beaucoup d'entre vous retournent à l'école. Beaucoup d'entre vous sortent de l'école. Beaucoup d'entre vous deviennent experts dans vos domaines choisis. Beaucoup d'entre vous aussi se mettront à développer plein de choses au niveau de votre carrière. Je vois vraiment beaucoup de développement ici au niveau carrière, au niveau professionnel. Beaucoup d'entre vous aussi feront de grandes études en 2025. Mais dans l'ensemble, je vous vois ici élever vos compétences. D'accord? Il y a une réelle élévation des compétences, une réelle croissance au niveau carrière et au niveau finance. La justice ici se présente avec le 2 de Pentacle. Donc, la justice, comme je vous ai dit encore une fois, il y a quelque chose, le karma peut être bon comme ça peut être aussi négatif. Je ne pourrais pas exactement savoir, mais il y a une expérience karmique auquel je vous vois vivre en 2025. Cette expérience est quelque chose qui est inévitable, c'est quelque chose que vous allez devoir confronter. Ça peut apporter aussi des expériences qui ne sont pas prévues pour vous. Donc, je vous dirais aussi que si jamais vous êtes face à des procédures juridiques, prends le temps de vous renseigner, prends le temps de vous informer. Ne faites pas une conclusion trop active ou trop rapide de quelque chose alors qu'il vous faut encore obtenir des informations. La reine d'épée ici ressort, la reine de Pentacle ici ressort avec le cavalier d'épée comme énergie. Donc,
Le cavalier d'épée ici parle de votre capacité intellectuelle à triompher sur des problèmes ou à régler des problèmes, ok? J'ai vraiment l'impression que cette reine de Pentacle parle de quelqu'un d'autre à l'extérieur de votre énergie. C'est pas nécessairement de vous. Il y a quelqu'un d'autre ici avec qui je me vois régler des problèmes ou travailler ensemble ou même changer les relations que vous avez l'un et l'autre. Il y a une relation ici que je vois en 2025. Et cette relation peut être une énergie que vous avez envers votre mère, envers une femme dans votre vie. Ça peut être aussi le fait d'avoir donné beaucoup de temps dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine, ou le fait ici de reconnaître de quelle façon cette relation vous a impacté. Ça peut être aussi le fait qu'il y a quelqu'un ici avec qui vous allez résoudre quelques tensions ou quelques blocages avec en 2025. Cette cavalier de Pentacle ici annonce le 8 de Pentacle. Et comme je vous disais au départ encore une fois, et je le répète plusieurs fois, je vois 2025 comme une année où vous allez, une bonne fois pour toutes, sortir de votre impasse. J'ai comme le sentiment que en face de vous, jusqu'à présent, il y a eu comme un mur. Et en 2025, vous allez franchir cette mur. Vous allez trouver ce qui vous rend véritablement heureux ou heureuse en 2025. Et je vois beaucoup de progrès dans le domaine professionnel, financier. Et je vous vois ici être épanoui dans la vie personnelle. D'accord? Je vous vois aussi vous rendre compte finalement de ce qui ne vous convient plus. Je vous vois aussi se mettre à faire le nécessaire pour arriver là où vous avez envie d'arriver. Et je vous vois ici arrêter de mettre vos objectifs de côté et commencer à se donner à fond pour que ces objectifs puissent se réaliser. OK? Donc, dernière carte ici, avant que on termine le tirage. En 2025, ne comptez pas dessus. En 2025, ne comptez pas dessus. Donc, il y a quelque chose auquel vous comptez sur jusqu'à présent, ou l'année dernière, vous comptez sur quelque chose ou quelqu'un, et vous allez compter sur vous-même. C'est comme si tout d'un coup, vous vous rendez compte que, en fait, pour arriver là où je veux arriver, j'ai peut-être la réponse au fond de moi, et je ne peux plus compter sur quelqu'un d'autre de m'apporter cette réponse. Il va falloir que je compte sur moi-même pour y arriver. Et en faisant ça, vous faites changer beaucoup de choses dans votre vie parce que vous prenez la peine de vous découvrir et d'avancer à votre propre allure. OK? Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci beaucoup. Courage à vous. Je vous retrouve pour la partie sentimentale. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao!